Xong trình quỷ. Xong trình lục bình nhá bọn tỏ. Merci, Monsieur le Président. On a vu au début de l'audience la déclaration attribuée à Nunchia dans le livre de Tet Sambat sur le caractère forcé des mariages. Ce caractère forcé des mariages, en général, peut également se déduire des propos de Yengsari qui ont été tenus juste après le régime en décembre 1980. Dans une interview, Yengsari explique qu'à partir de 1979 ou de 1980, certaines libertés ont été rendues aux gens sous le contrôle des Khmer Rouges, notamment le droit de se marier librement ou le droit des familles à vivre ensemble, contrairement à avant. C'est le document E3-681. C'est une déclaration de Yengsari au New York Times dans un article de Henri Kam intitulé en anglais Pol Pot's Aid Calls for World Support. Il est daté du 1er décembre 80. On le trouve à la page en Khmer 00-65-12-46. En français 00-63-06-93-94. Et en anglais 00-122-194. Je cite. Le vice-premier ministre a détaillé le nouveau programme embrassé par ses collègues. Monsieur Yengsari a expliqué que tous les partis politiques seraient désormais admis. Et Monsieur Yengsari de poursuivre, nous autoriserons la liberté de religion et d'éducation. Les mariages seront libres et les familles pourront vivre ensemble. Et un peu plus loin, l'article continue, il a ajouté. Il y aura des coopératives libres, non obligatoires comme avant. Et nous instaurerons des collaborations avec des sociétés étrangères. Après tout, nous sommes un pays sous-développé. Fin de citation de Yengsari. Et l'article se poursuit. Interrogé sur la raison de la mise en œuvre des mesures, complètement opposées par le gouvernement de Pol Pot lorsqu'il était au pouvoir, une période de 4 ans au cours de laquelle des milliers de Cambodgiens ont péri, assassinés de faim ou de maladie faute de traitement, le vice-premier ministre a répondu. Nous avons fait la révolution. De nombreuses erreurs ont aussi été commises lors des révolutions vietnamiennes et françaises. Beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'erreurs. Nous avons essayé. Fermez les guillemets. Invité à dresser la liste des bonnes choses accomplies lors de la révolution, M. Yengsari a hésité et a demandé à un associé, Chun Chun, ministre de l'économie et des finances, de répondre. Fin de la citation de ce document E3-681. La question du mariage en plus de l'accroissement de la population, était spécifiquement importante sous le Kampuchea démocratique, à tel point que le secrétaire de zone devait faire rapport du nombre de mariages enregistrés chaque mois. C'est du moins ce qui ressort du document suivant, E3-1094. C'est un compte-rendu mensuel de juillet 1978.
adressé le 4 août 1978 par le bureau M478, la zone ouest, si je ne me trompe pas, à l'attention de l'Ankar, respecté et bien-aimé. Et il y a en toute fin de compte-rendu un tableau à la page en anglais 00315383 en français 00593538 et en Khmer 00143617. Ce tableau est intitulé Le nombre des nés et des morts et le mariage. Il indique région 32, née, donc personne née, 185 personnes, personnes mortes, 121 personnes, mariage, 42 couples. Il y a un autre document qui a sans doute servi pour établir ce compte-rendu mensuel de juillet 78. Ce document, le document E3-1092. Il s'agit là d'un rapport du bureau M401 à l'Ankar, daté du 16 juillet 1978. Et en réalité, il s'agit d'un des trois rapports envoyés tous les 10 jours à l'Ankar pour le mois de juillet 78. Alors, à la page en anglais 00289924, en français 00611450, en khmer 00143579, il y a la mention suivante sous le titre Les conditions de vie de la population. Je cite, la fondation des familles. On a marié 10 couples dans le district 26 et la région 32. Et dans la région 31 et la région 37, on n'a pas encore eu de compte rendu au sujet de ce problème. Je vais en revenir au document E3-1094, le mensuel donc de juillet 78, envoyé par le bureau M401 à l'Ankar, parce qu'il met le doigt sur un autre problème dont les témoins et les parties civiles ont assez souvent parlé, c'est celui des suicides de personnes récemment mariées. Cependant, le rapport n'ose pas conclure que la personne dont il est question s'est suicidée précisément en raison du mariage lui-même. Mais voilà ce que dit ce rapport. La page en anglais 00315373, en français 00593529 et en Khmer 00143609. Ce rapport, dans cette partie, parle de la situation de la défense nationale dans le secteur 32 et en particulier des activités des ennemis de l'intérieur. Et il dit ceci sous le titre Les actes de suicide par pendaison. Dans le district 27, dans la coopérative de Teng Croch, un homme appelé Ol vivait autrefois dans une unité itinérante de région. Après son mariage arrangé par l'Ankar, il fut démobilisé pour revenir vivre dans la coopérative. 15 jours après, c'était le 26 juillet 1978, il s'est suicidé par pendaison. On a examiné les causes, mais il n'y avait rien dans la période passée qui ait pu expliquer le phénomène. Fin de citation.
Je vais en venir au mariage lui-même et à la conception de la famille révolutionnaire. Avec tout d'abord un rapport analytique présenté aux Nations Unies dès janvier 1979. Ce rapport a pour source les témoignages de réfugiés cambodgiens qui avaient fui le régime. C'est le rapport E3-2060. Et je vais dire le titre en anglais et citer en anglais également. Analytical report by the United Nations Commission on Human Rights entitled Analysis prepared on behalf of the subcommission by its chairman of materials dated 30th of January 1979. At page in English 00078662, in French 00292906, and in Khmer 00294968. It's about Article 16, which concerns the right to marry, the free and full consent of the intending spouses, the entitlement of the family unit protection by society and the state. I quote, it is alleged that the right to marry has been seriously infringed. And several refugees have claimed that prior to 1976, marriages were entirely private in the communities where they lived. Specific violations of this article, to which references in the materials are most frequent, relate to the strict prohibition of courting, the need to apply for permission to marry, the arbitrary handling of such applications, and the infringement of the right of free choice on the part of females, particularly in cases where local officials or members of the Khmer Rouge wish to marry them. The separations arising from the establishment of workforces according to sex and age in certain parts of the country and the practice of separating children from their parents is also cited in some refugee accounts as an infringement of the rights of the family to protection by the state and of courts in English. Ensuite, je voudrais lire quelques extraits du livre de Madame l'expert Elizabeth Baker, When the War Was Over, Cambodia and the Khmer Rouge Revolution. J'ai déjà lu un extrait du début, au début de cette présentation, donc les numéros E3-2320 et E3-9305. Tout d'abord, Baker met le doigt sur les contradictions de la politique du mariage et sur le fait que, contrairement aux affirmations des dirigeants Khmer Rouge, dont Pol Pot et Nunchia, on l'a vu. Et bien, contrairement à ces affirmations, le taux de naissance a chuté de manière dramatique sous le régime. Et j'ai les citations en anglais, donc je vais poursuivre en anglais. C'est à la page en anglais 00237929. En français 00638486. Et en Khmer, c'est probablement à la page 00232298. So I quote in English. Like other
authoritarian societies bent on becoming wealthy overnight. The Khmer Rouge were schizophrenic about sex and procreation. On the one hand, they thought sex should be restricted because it took up too much time and detracted from the cause at hand. Overnight industrialization and glorification of the motherland. Yet, they also decided there should be many more Cambodians to carry out this program and ordered that the population doubled. The solution was no sex, no romance, but regular visitation rights for husband and wife. In fact, the Khmer Rouge did become so sexually repressive that sadism affected much of cooperative life. The date for marriage was moved up to 22 years of age for men, 20 years for women, a rule originally adopted for the army alone. Any sex before marriage was punishable by death in many cooperatives and zones. Young people were segregated by sex and expected to work, learn utter devotion to Angkor, and forget about the opposite sex. Predictably, the birth rate dropped dramatically. Many women stopped menstruating entirely, partly because of malnutrition, partly because of the trauma. End of quote. Et je reprends en français. Elisabeth Becker confirme ensuite la nécessité de l'approbation de chaque mariage par le chef de coopérative. C'était la page 257 en anglais, c'est-à-dire 00237962. En français, 00638517. Et en khmer, 00-23-23-39. Je cite en anglais. In democratic Cambodia, a couple could marry only with the approval of the cooperative elders. In practice, that meant marriages were generally arranged by the party. The puritanism of the regime restricted many newlyweds from living together and provided for conjugal visits a few times a month when the wife believed herself fertile. And of course. Enfin, Becker parle aussi des moines défroqués appelés à se marier. En effet, comme on l'a vu au début dans le livre de Thet Sambat, comme c'est expliqué, beaucoup d'hommes avaient été tués dans la guerre 70-75, d'où la nécessité sans doute de marier les anciens moines également. Et voilà ce que dit Becker à la page 254 en anglais. Elisabeth Becker, en 00-29-79. Je reprends 00-23-79-59. En français, 00-6-3-85-14. Et en khmer, 00-23-23-3-6. Je cite en anglais toujours. Those who were not executed were ordered to forfeit their robes and join the people to work in the cooperatives as common field hands.
an order that violated their religious tenets. Those who refused were killed. Many monks were ordered to marry, which prevented them from returning to the clergy and of course. Jan Harris mentionne également Ian cette Harris, question du mariage des moines défroqués dans son livre qui porte deux cotes, E3-8181 et E3-6938. Ce livre est intitulé « Le bouddhisme sous Pol Pot ». On trouve notamment ceci à la page en anglais 00703990 et 91, en français 00833637879 et en khmer 00791304 et 05. Je vais de nouveau citer en anglais à l'intention des interprètes. So the title of the excerpt is called Forced Marriages, Forced Marriage of Monks. And I quote, reports that monks, either individually or sometimes en masse, were coerced into taking partners are extraordinarily frequent and the practice may have been more widespread than evidence suggests. The reason for this is that many monks who rejoined the monastic order in the PRK period were reluctant to admit to any diminution of celibacy during the democratic Cambodia period, on the grounds that such a revelation would simultaneously impact on their spiritual prestige and future career prospects within the Sangha. And then further down, the proportion of monks who were forced to marry could be quite high. Of the 68 monks residing at Wat Chung Nik before April 1975, for example, 40, which is 58.8%, ended up being forced marriages. One informant from Wat Poti Rengsei claimed that most of the pagodas pre-75 monks got married, and that this was the reason that so few of the surviving contingent of the village's ex-monks reordained after 1979. À propos des moines défroqués, toujours, on a voulu forcer à se marier. Il y a un témoignage qui est particulièrement intéressant, même si finalement il ne s'est pas marié. C'est le témoignage de Thep Phong dans un document E3-7906. Qui est daté du 19 janvier 1986. Alors, on va trouver l'extrait en question qui est assez long. Au page en français 00805762626-28. En anglais 00701515884-86. Et en Khmer, 00-85-06-89-92. En début d'interview, il est indiqué que l'interview a eu lieu à Wat Unalom et que Thep Phong était en charge du bouddhisme et de la religion
vice-président de la reconstruction et de la défense nationale du peuple, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du Cambodge auprès de la BCP, c'est-à-dire conférence asiatique bouddhiste pour la paix. Et je cite ce que dit Thep Vong aux IRM que j'ai cité. Et pour situer cela dans l'espace, il parle du district de Chikreng dans la province de Siem Reap dans la zone nord. Je cite. J'y suis resté jusqu'au mois de novembre 1975, où j'ai dû me défroquer. Pendant les six mois où je suis resté moine, j'ai dû travailler tous les jours. Je devais effectuer toutes les tâches agricoles, labourer et transplanter, tout en étant autosuffisant, car personne ne pouvait m'apporter à manger. 15 des 60 moines qui ont quitté Wat Rich Bo avec moi sont arrivés à Wat Bal Damrei. Les autres avaient quitté l'habit les uns après les autres, lorsqu'il est apparu clairement dans la propagande que le bouddhisme ne survivrait pas longtemps. À la mi-octobre, ils ont fait une déclaration disant que l'organisation n'autorisait plus la religion et qu'il n'y aurait plus de moines. Un peu plus loin, quelques jours plus tard, une deuxième délégation est arrivée avec des armes pour me demander de me défroquer. Le lendemain matin, j'ai quitté l'habit de moine le 14 novembre 1975. Je savais que je me ferais tuer si je continuais de résister. Après avoir quitté l'habit, j'ai demandé à pouvoir retourner dans mon village de Trapeng Chok, district de Siem Reap, où je travaillais avec ma famille à réparer des chars à bœufs, des charrues et des herses. Un mois plus tard, ils m'ont demandé de me marier. J'ai refusé et ils m'ont envoyé dans une brigade de travail pour effectuer des tâches agricoles. J'y suis resté un mois. Un membre du comité du village a alors demandé que je revienne pour construire une grange à riz, car il savait que j'étais charpentier. Vers août-septembre 1976, j'ai été arrêté au milieu de la nuit. Ils m'ont frappé jusqu'à ce que je perde connaissance. J'ai retrouvé mes esprits le lendemain matin. Il m'avait puni pour deux raisons. D'abord, pour avoir refusé de me marier. Et ensuite, pour m'être rasé la tête toutes les deux semaines et prier Bouddha en secret. Ils ont dû le découvrir. Ils m'ont posé plusieurs questions. Pourquoi je ne m'étais pas marié? Pourquoi je me rasais la tête? Par la suite, il décrit son arrivée au centre de sécurité dans la ville de Siem Reap, centre de sécurité de Krous, K-R-O-U-S. Et je cite, celui-ci est un centre de sécurité de district, mais il se situait exactement dans la ville de Siem Reap. Il me questionnait principalement sur les raisons pour lesquelles je ne voulais pas me marier et je me rasais la tête. Je répondais qu'aucune femme ne pourrait m'aimer et il disait que cela n'avait pas d'importance. Et par la suite, il dit, j'ai survécu grâce à mon savoir-faire. Parce qu'il a réalisé des charrues, des roues. Et ensuite, il dit, heureusement, le chef du village est mort. Et ils m'ont libéré après 84 jours passés dans cet endroit. Fin de citation. Un autre auteur, puisqu'on a parlé de Baker, de Harris,
Et d'autres encore, un autre auteur, Raoul Marc-Génard, a analysé les mariages sous le Kampuchea démocratique et il lit les mariages forcés à la disparition de la vie privée, ainsi que l'appropriation totale des individus par le Parti communiste du Kampuchea. C'est le livre E3/3993 intitulé Khmer Rouge, à la page en français 00 7 5 13 47, en anglais 00 92 21 06 et 07, et en Khmer 00 92 30 5 1, et ensuite on verra plus tard 53 et 54. Premier extrait, relatif au mariage forcé. Voilà ce que dit Raoul Marc-Génard, je cite. Sous le régime du Kampuchea démocratique, le Parti communiste du Kampuchea s'est approprié la vie des femmes et des hommes du pays. Toute liberté individuelle a été bannie. Toute forme de vie privée a été proscrite. Le PCK entendait disposer du sort de chaque être humain. Cette volonté de totale appropriation des individus par le parti s'est traduite notamment par les mariages forcés. Le Kampuchea démocratique a institué le privilège pour les responsables des coopératives populaires ou les chefs de village de procéder d'autorité et en tout arbitraire à des mariages sans le consentement des futurs conjoints. Et dans la plupart des cas recensés, sans que ceux-ci ne connaissent, se connaissent avant le jour de leur mariage. Toute forme de vie privée étant bannie, le mariage ne pouvait être qu'un acte collectif sous l'autorité de l'encart. Toute autre forme de mariage était considérée par le régime comme une offense morale, passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la mort. Refuser pouvait entraîner le viol, la torture, l'emprisonnement, voire même la mort. De même que refuser de consommer le mariage imposé. L'encart accordait aussi aux militaires invalides le droit de prendre la femme de leur choix comme épouse, que celle-ci soit consentante ou pas. Et un peu plus loin à la page en français, 00 75 13 49, en anglais 00 92 21 07, et en Khmer 00 92 30 50 53 et 54. Il dit ceci, je cite: cette pratique a signifié, donc la pratique du mariage forcé, cette pratique a signifié pour la plupart des personnes concernées un viol légalisé. Beaucoup de femmes se sont suicidées. Pour presque toutes les autres, il en est resté un traumatisme profond. Manifestation du plus total mépris pour la dignité des personnes. Ce mariage imposé par le Parti communiste du Kampuchea était connu, le Khieu Sampon. Non seulement les publications du PCK en faisaient état, mais lui-même en a vanté les mérites à Norodom Sihanouk lors d'un entretien en avril 1976 relaté par ce dernier. Selon Khieu Sampon, les jeunes femmes, j'ouvre les guillemets, acceptaient par leur mariage de s'occuper
du bien-être des héros qui s'étaient sacrifiés pour réintégrer le salut national. À propos de feu Norodom Sihanouk, voyons dès lors ce qu'il a écrit exactement concernant cette connaissance alléguée de Kusampan des mariages forcés. C'est le document E3-2813, livre de Norodom Sihanouk intitulé « Prisonnier des Khmers Rouges » à la page en Khmer 00-63-2843-4-4, en anglais 00-63-2-9-3-9, en français 00-3-9-5-3-5-3. Je cite. Je regarde Kusampan, le compagnon de mes voyages à travers les provinces. J'avais réussi par quelques astuces verbales à obtenir de lui des aveux impressionnants. Et je saute ce qu'il considère comme étant les premiers aveux. Et Norodom Sihanouk poursuit. Avec la même innocence, c'est l'aveu de mariage forcé. Entre parenthèses, Kusampan dit non forcé. Fermez la parenthèse. Les jeunes filles chassées de Phnom Penh et d'autres villes en avril 1975 furent accouplées de force avec les héros Khmer Rouges, les mutilés, les grands blessés, les invalides de guerre, borgnes, aveugles, manchots, unijambistes et même cul-jattes. Kusampan avait beau affirmer que ces jeunes demoiselles possédaient un haut esprit patriotique, c'est une citation, entre guillemets, accepter par leur mariage de s'occuper du bien-être des héros qui s'étaient sacrifiés pour le salut national. Ma femme et moi frémissions d'horreur à l'idée de ces accouplements. Le Frankenstein des films d'épouvante n'aurait pas pu imaginer une telle monstruosité. Frankenstein, il y a un fossé que notre esprit ne saurait franchir. Fin de citation. À propos de ce mariage forcé entre jeunes filles ou jeunes femmes et soldats blessés de guerre qui avaient été affectés à des unités de handicapés, propose maintenant d'examiner ce qu'en disent certains témoins participants. Il y a tout d'abord le procès-verbal d'audition E3-9-2-0 d'un témoin appelé Prep Sokhurn, S-O-K-H-O-E-U-R-N. Il avait 24 ans en 1975, il vivait dans le village de Andongtapik, commune de Tmakpun, district de Prechor, province de Kampongcham. Il travaillait comme chef d'équipe de 12 personnes dans une plantation de cotonniers dans cette commune de Tmakpun. Et je vais lire longuement
ខ្ញុំធម៌ពួនរបស់ខ្ញុំអានសម្រាប់ហេតុសម្រាប់ចម្លើយរបស់គាត់នោះព្រោះថាវាអាចជួយបំភ្លឺតុលាការបាន Il n'y aura pas d'IRN parce que les questions sont numéro 12. Je cite. Dans cette unité de plantation de cotonniers jusqu'à l'arrivée des troupes vietnamiennes au Cambodge? Réponse. En 1977, les Khmer Rouges célébraient des mariages. Ils m'ont forcé à me marier avec un homme handicapé que je n'aimais pas. J'ai refusé de me soumettre et ils m'ont passé à la rééducation. Ils m'ont dit que si je n'acceptais pas de me marier comme ordonné par l'Ankar, ils allaient me passer à l'exécution. Cette histoire est parvenue jusqu'à mon père, qui m'a recommandé de me marier pour éviter d'être tué. La situation était vraiment aussi bouillante. Question 13. Ce mariage s'est-il passé dans la plantation de cotonniers? Réponse. Oui. Un jour, un entretien avec le chef d'une compagnie itinérante. Je devais me marier. Puis Mademoiselle Lee m'a dit rentrer. Le lendemain, ils ont annoncé au haut-parleur, à 3h du matin, que nous devions aller travailler jusqu'à 5h30. À 6h30, un messager est venu me demander pourquoi je travaillais encore. Alors que je devais me marier le jour même. J'ignorais tout de ce programme et je tombais des nues. Pendant le trajet entre la plantation et le village, je me suis dit qu'ils allaient m'exécuter parce que les massacres culminaient à l'époque. En arrivant sur place, Ni Li m'a interrogé pour savoir pourquoi je pleurais. Je lui expliquais que parce que le mariage ne se faisait pas selon les traditions khmères et que mes parents étaient absents. Donc je lui expliquais que je pleurais parce que le mariage ne se faisait pas selon les traditions khmères et que mes parents étaient absents. Ni Li n'a rien dit. Il s'est contenté de me tendre des vêtements neufs et un trame. Question 20. Pensez-vous que vous aviez le choix? Réponse. Si j'avais le choix, j'aurais refusé de me marier. Je n'avais pas le choix. Nous n'avions pas la liberté de contester leur ordre. Un exemple. À Chamkar Kaba, nous devions effectuer tous les travaux qu'ils ordonnaient. Puis je devais épouser sur ordre mon mari. Mais que je n'avais jamais vu de ma vie. Question 21. À votre avis, qu'aurait pu vous arriver si vous aviez osé refuser de vous marier? Réponse 21. Avant que je ne me marie, ils arrêtaient ceux qui refusaient de se soumettre et qui fuyaient. Puis ils les exécutaient. J'ai vu ce drame arriver à une fille de mon unité qui s'appelait Preun et qui s'est opposé au mariage et s'est enfui du syndicat pour rejoindre la coopérative. Ensuite, le syndicat est allé l'arrêter pour désobéissance à l'encart disciplinaire. Elle n'a pas été attachée au moment de son arrestation. Plus tard, ils l'ont attachée et ramenée dans une charrette à bœufs. Preun a disparu depuis et j'ai vu de mes propres yeux son arrestation. C'était des miliciens ou des gars de la sécurité qui l'ont sorti de la coopérative.
En tout cas, ces hommes ne faisaient pas partie du syndicat. Et leur mission était celle d'effectuer des opérations d'arrestation. Ils étaient membres du personnel de la sécurité régionale. Le fait d'avoir assisté à cette scène d'arrestation m'a beaucoup terrifié. Question 22. Qu'auriez-vous souhaité alors pour votre mariage? Réponse 22. J'aurais voulu que mes parents participent au choix de mon conjoint et à l'organisation de la cérémonie de mariage. Je ne voulais pas me marier avec un handicapé. Et mes parents n'avaient pas le droit de choisir mon conjoint ou d'organiser les festivités. Le Khmer Rouge mariait alors 40 ou 50 couples à la fois, en l'absence des parents. Mais ils choisissaient dans l'unité deux personnes qui étaient supposées représenter les parents. Question 23. Qui prenait la décision de coupler les futurs mariés? Réponse. Le chef de coopérative du nom de Sceaux couplait les gens. J'ignore s'il était à l'initiative de cette idée ou s'il avait reçu un ordre de la hiérarchie. En tout état de cause, c'était Sceaux qui couplait les gens, car c'était lui qui annonçait le nom des couples qui devaient se marier. C'était la première fois. Et j'ai entendu prononcer le nom de l'homme avec qui je devais me marier. Question suivante. Pourquoi vous a-t-on couplé avec un handicapé? Réponse 24. Il disait que ces handicapés s'étaient sacrifiés sur le champ de bataille et qu'il devait les récompenser en leur donnant une femme. Question 25. Combien de couples devaient se marier en même temps que vous? Réponse. 15 couples devaient se marier ce jour-là. Question. Mais qui devait se marier avec qui? Exemple. Est-ce que des habitants nouveaux pouvaient se marier avec des anciens? Des Cham avec des Chinois? Réponse 26. Il y avait le cas d'un couple dont la femme était chinoise. Celle-ci s'appelait Red. Et l'homme, un Cham. Le nom de San. Après le processus, ils n'ont pas consommé leur mariage. En effet, Red avait rejeté San parce que celui-ci était circoncis. Tous les deux ont accepté de vivre ensemble pour ne pas révéler ce problème à la communauté. J'ai appris cette histoire de Red elle-même que j'ai vue pour la dernière fois en 1979. Question 27. Pourquoi devait-il cacher le fait de n'avoir pas de rapport sexuel? Réponse. Dans ce contexte, l'encart passait à l'exécution les deux conjoints sans chercher à savoir de quel côté provenait le problème. J'ai appris que les Khmer Rouges prenaient une telle mesure parce que cela était arrivé à un couple qui avait refusé de consommer leur mariage. En effet, ce couple fut exécuté. Beaucoup de couples furent tués pour cela dans le syndicat. Rin, par exemple, a un jour disparu de l'unité. J'ai alors posé la question à Nili pour savoir où était passé Rin. Ma camarade Li m'a dit qu'on l'avait emmenée parce qu'elle avait refusé de consommer son mariage. L'encart avait choisi de coupler des jeunes filles avec des moines bouddhiques très âgés. Par exemple, des filles de 18 ans couplées avec des hommes de 50 ans. Tout cela est réellement arrivé dans mon syndicat. Il n'était pas seulement des rumeurs. Question 31. Pourquoi ont-ils imposé ces mariages? Réponse. Avant d'instituer ce processus, Sceaux avait annoncé dans des réunions que l'encart avait besoin de main-d'œuvre supplémentaire.
Par conséquent, ils devaient marier des jeunes gens et jeunes filles pour qu'ils fassent des enfants et servent la révolution. Question 32, ce mariage était-il fréquent? Réponse, ce mariage était nombreux. Je me rappelle qu'ils avaient lieu en 1976 et 1977, et qu'ils impliquaient la première fois 50 couples, la deuxième fois 40 couples, la troisième 20 couples. Enfin, il y avait 15 couples à mon propre mariage. Nous entendions parler de ces mariages qui ont lieu dans les syndicats sans jamais avoir rien vu, parce que nous n'avions pas le droit d'y assister. Question 34. Pourquoi mariaient-ils certains et pas d'autres? Réponse. Ils mariaient en priorité les plus âgés des unités. Un peu plus loin, Li en personne, lors de réunions quotidiennes, nous demandait qui voulait se marier. Mais aucune fille ne répondait affirmativement. Du coup, Li suggérait à So de choisir les filles les plus âgées de l'unité et de les marier. Nous étions perdus parce que nous ne savions pas ce qui allait nous arriver. Les jeunes qui devaient se marier n'étaient pas informés à l'avance et ignoraient tout jusqu'au jour où ils étaient placés devant le fait accompli. Parfois, il arrivait qu'ils ne trouvent pas les cibles qui étaient listées. Ils avaient listé. Ils prenaient alors d'autres filles en remplacement. Certains garçons étaient amoureux et demandaient à être unis avec les filles en question. Quand le chef d'unité refusait de marier les amoureux, ceux-là protestaient. Malheureusement, ils arrêtaient les contestataires et les emportaient. J'ai entendu mes collègues de travail parler de ces cas de figure. Un autre exemple, celui de Eun et de Min. Eun ne désirait pas Min parce que celle-ci était trop dodue. Elle n'avait pas envie de coucher avec elle. C'était Eun qui m'a raconté cette histoire lui-même. Malheureusement, cette rumeur de non-consommation de mariage est parvenue jusqu'à l'Anka. Ensuite, Eun a disparu. Les Khmer Rouges autorisaient les nouveaux mariés à se rencontrer et à consommer leur mariage une fois par mois. Les miliciens espionnaient. Ils savaient que Eun n'avait pas consommé son mariage. Puis Eun a disparu. J'ai appris cette nouvelle quand je suis tombé un jour sur Min. Celle-ci m'a confié qu'elle n'avait pas rapporté de problème à l'encar, etc. Et puis la question 36 parle de la nuit de noces. Où avez-vous dormi cette nuit-là? Réponse, à 19h, So a envoyé son messager me chercher pour me dire que je devais dormir avec mon mari. Comme je protestais, So m'a menacé en disant, vous n'avez pas vu que les récalcitrants disparaissaient? Je suis donc allé passer la nuit dans cette hutte avec mon mari. Ils nous ont laissé ensemble trois nuits, mais je n'ai pas couché avec mon mari. Je n'en avais pas envie. Lui, par contre, avait envie. Il m'a demandé pourquoi je refusais. Question. Quand avez-vous accepté de consommer votre mariage? Réponse, je n'ai pas couché avec lui durant les quatre premiers mois, mais je l'ai fait par la suite. Tous les mois, il venait me voir. Il repartait le visage déconfit. Une fois, j'ai mordu son poignet parce qu'il voulait me toucher. Le chef de son unité de mécanique a remarqué la trace de morsure et lui a posé des questions. Mon mari a du coup raconté le problème. Un soir, son chef a envoyé une charrette pour venir me chercher au syndicat et m'emmener à son lieu de travail, pensant que j'allais être plus craintif là-bas. Khnyom pi kanlaing
Vous avez refusé de consommer votre mariage pendant 4 mois. Mais avez-vous des problèmes avec les miliciens? Réponse 39. Non, parce que les miliciens n'étaient pas au courant de mon histoire. Cependant, une fois, Saul m'a questionné pour savoir pourquoi je refusais de coucher avec mon mari. J'ai répondu que je couchais toutes les nuits avec mon mari. Apparemment, il m'a cru, mais m'a néanmoins rappelé que je devais obéir à l'enclair. Et la réponse 43, elle parle de la consommation du mariage. Durant les 5 ou 6 premières nuits, j'ai persisté à ne pas me donner à mon mari. Un soir, il a déchiré mes vêtements. Il m'a dit qu'il était prêt à utiliser la force si je refusais toujours de coucher avec lui. Je ne savais plus quoi faire, sinon pleurer. Après m'avoir violé, il s'est excusé en disant qu'il ne faisait que suivre l'ordre de l'enclair. Il m'a encore déclaré ceci. Selon les traditions Khmer, on doit toujours coucher ensemble après le mariage. Question 45. Vous ont-ils espionné durant cet épisode? Réponse, oui, des miliciens étaient présents. Cette maison avait une porte à l'entrée, devant et une autre à l'arrière. À un moment donné, je voulais sauter de la maison. Mais mon mari a dit qu'il y avait des gens qui étaient postés en bas pour m'attraper. En courant vers la porte d'entrée, j'ai vu des miliciens en bas. Je ne l'avais pas reconnu dans l'obscurité de la nuit. Je n'ai aperçu que des ombres noires. Question 46. Était-ce la seule fois où votre mari vous a violé? Réponse. Après cette première fois, je ne me suis plus opposé à ses avances. Bien que je n'ai jamais eu envie de coucher avec lui, j'ai finalement accepté de me laisser faire parce qu'il m'avait apitoyé avec ses paroles. Et parce que j'avais envie de survivre. J'avais peur que les Khmer Rouges ne m'exécutent si je persistais à le rejeter. Question 48. Votre mari a dit qu'il avait agi ainsi sur l'ordre de l'enclair. Ne pensez-vous que ce soit la vérité? Réponse. Connaissant son caractère, je ne crois pas qu'il ait menti. S'il avait vraiment eu envie de me violer, il l'aurait fait depuis le début, juste après le mariage. Il m'a expliqué qu'il avait pitié de moi parce que j'étais petit, mais qu'il était obligé de le faire parce que tel était l'ordre de l'enclair. Et enfin, question 53. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris qu'il fallait vous marier avec votre mari? Qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez vu la première fois? Réponse. Je n'ai même pas dévisagé mon mari parce que j'étais terriblement déprimé. J'avais la tête baissée jusqu'à terre et j'ai alors vu qu'il avait une jambe tordue. J'étais complètement dévasté. Il avait été touché par balle sur le champ de bataille pendant la guerre et n'a pas voulu être opéré. Fin de citation de ce long procès-verbal d'audition de Madame Pré-Socker. Peut-être pour terminer avant la pause, Monsieur le Président, un dernier document. Il arrivait que l'un des jeunes gens, quand il n'était pas un soldat handicapé, prenne l'initiative de faire une proposition de mariage à son chef. Parfois, dans le but d'améliorer sa vie quotidienne. C'est ce qui ressort d'un témoignage particulier que l'on trouve dans le livre de Duong Savorn, E3-9-0-0-0, qui s'appelle en anglais « The Mystery of Sexual Violence under the Khmer Rouge Regime ».
Et je vais citer en anglais uniquement. Nous sommes dans ce rang de la anglais, et puis pour vous, en mien, d'ailleurs, that page says the following about a person named Mia Kim Chon, alias Kru Lieng. And on the top of the page, there's a short biography of that person, and it says, quote, today he lives in Ping Ra commune, Wudong district, Kampong Speu province, and works as the director of Stra Kleng primary school. He was married the second time in 1979. Before the Khmer Rouge regime, he was a monk in Unalom Pagoda in Phnom Penh until 1975. And then follows the story of Mr. Lieng. Mr. Lieng lived in Small Puk district, Battambang province. He dug earth to transplant rice, worked in rice fields, dug canals, and did other work. In June 1978, when he was 26 years old, he was married among 56 couples. A 21-year-old widow requested to marry him. She was the one who requested the marriage to the cooperative chief. And the head of his unit told him about this. He did not love this woman, but they came to convince him so that he eventually agreed. He said this woman did not really love him either. As far as he knew, she had three reasons. The first was to avoid further observation and suspicion against her, because her first husband was accused of betraying Angkar. Secondly, once married, she could come back to stay in the village with her parents. The third reason was that family of that the woman was aristocratic during the previous period. They were rich and they had a very high education, which stood in contrast to him and his whole family. With regard to their life together, from the outside, it looked like husband and wife, but in fact, it was not. Mr. Lieng said this marriage was sure to be separated one day, because each of them had the belief that they were not really husband and wife for the future. As he imagined, after the liberation day in 1979, he decided in March to immediately leave his wife, whom he was married to during the Khmer Rouge regime. And then there's just the last passage where it explains why Mie Kim Chon Lieng wants to testify to the young generation. And it says the following, I quote, he is telling the story for the general population to understand that husband and wife cannot be married by force like cows and water buffaloes. Humans have hearts and need to think about the future. Otherwise, they will face many different problems, violence, no prosperity, and ends with divorce, ends of course. Merci, Monsieur le Président. សូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះដល់ពេលជួបសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាវនាការបង្កប់ឲ្យនរៈមន្ត្រីគុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាសាវនាការនេះនឹងមកគប់ឲ្យនាំខ្លួន
ក៏ត្រឡប់ចូលរួមសាវនាការក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសូមជួយសម្រាប់